s'est-il passé? Je ne sais pas, docteur. Je faisais sa toilette et elle est partie dans mes bras d'un coup, comme ça. Je ne comprends vraiment rien du tout. Elle était si bien hier soir quand je l'ai quittée. J'ai appliqué le dosage indiqué par Thomas. Quand? À 7 heures. Je vais vous chercher le rapport d'ordonnance. À quelle heure arrive Berthomieux? Il ne viendra pas aujourd'hui. Il a pris sa journée. Trouvez-le. Tu as tout ton temps, Thomas. Elle est morte. Comment ça, elle est morte? Madame Hersa. C'est absolument incompréhensible. Mais regardez, la régression des cellules malades est bien visible au microscope. C'est le cœur? Le cœur? Impossible! Les doses ont été parfaitement calculées. Je me suis peut-être trompé dans les doses. Venez voir, professeur. Il nous manque 2 flacons. Il devrait en rester 10, il n'y en a plus que 8. Il vient d'appeler, c'est épouvantable. Où est Bernard? Dans la salle de bain. Salaud! Arrête, Bernard, arrête! C'est de votre faute. C'est à cause de vous qu'elle est morte. Je vous racontais, j'ai jamais tué personne. Qu'est-ce que t'as dit? D'ailleurs, si cette femme est morte, c'est qu'elle a pris des risques inconsidérés en vous en confiance. Hein, vous n'étiez pas prêt, c'est tout. Morin a raison. Un crime de procéder comme vous l'avez fait. Un crime? Bien. Et à qui il profite le crime? Si ce n'est pas à vous? Qu'est-ce que tu as fait? Vous ne vous en sortirez pas comme ça, le Téchin. On a doublé les doses pendant la nuit. Il y a eu manipulation et elle est morte dans votre clinique. Oui, ça. C'est un meurtre. Et vous en êtes le complice. Je vais faire une déclaration à la presse. À votre place, je réfléchirai. Hein. Si cette affaire éclate au grand jour, vous serez le premier à en pâtir. 2 morts pour une seule et même personne, ça fait beaucoup, vous trouvez pas? Comment ça, 2 morts? Que voulez-vous dire? Votre fille, Werner. Votre propre fille. Elle est morte entre vos mains, hein? C'est vous qui l'avez opérée. C'est interdit, vous le savez bien. On n'opère jamais quelqu'un de sa propre famille. Lâchez-moi! 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 Déjà arrivé là. Je venais de tout perdre. Ma femme, ma fille. Je me retrouvais seul. Elles avaient choisi Berg. Dire que j'ai voulu sa perte et qu'aujourd'hui il a ruiné ma vie. Pourtant, il y a 3 mois, quand cette dépêche est arrivée dans les pattes de cette petite journaliste dessus de matin, je croyais vraiment que j'avais tout en main. Fini? Ouais. Tu veux boucler le supplément hebdo avec un scoop? Mais trop tard, j'ai fini, c'est parti pour l'impression. On boucle dans 2 minutes. Il est 11 h. Dommage. Ça attendra la semaine prochaine.
Les chercheurs qui reçoivent le prix Albert Schweitzer demain soir à Cologne. C'est pas intéressant, ça? Ça peut attendre la semaine prochaine. Ça t'intéresse, le nom? C'est qui? Berg. Berg? Mmh. Ah ouais, attends, si c'est Berg, c'est du sérieux. Bon, attends une seconde. Trouve-moi une photo, son CV et tout le bazar. Et appelle Costa qu'il arrête l'impression de la première de couverture. Allô, Morin? Berg, tu es sûr de ton information, Orsini? Tu as vérifié? Oui. Bon. Défie ça, Gabriel. Costa, tu stoppes l'impression. Je sais, mais c'est un ordre du caporal Orsini. Ange, tu es sûr? Oui. Il est sûr. Bon, je te laisse, on est déjà à la bourre et je dois changer ma première de couverture à cause de ça. Mais non, je peux pas. Non, là, impossible. Toute la presse va en parler, le prix Albert Schweitzer. C'est la porte du Nobel, le Goncourt de la médecine. D'accord. Bon, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il dit de Berg, ton copain, à moi? Il a dit que Berg a eu quelques loupés dans sa carrière. Toujours aussi sûr de lui, ton pote. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, il est un peu léger. Les congrès morins avec les voyages bidons aux Antilles, les croisières d'infos pour 25 journalistes avec leur madame dans l'océan Indien, et je peux continuer. Mais attends, tu sais combien de pages il nous achète, Morin, chaque année? Je m'en tape. Oui, bah t'as tort, parce que sans lui, tu seras au chaume du. L'amitié est aveugle, chef. Mais c'est beau, l'amitié en train. Bon, alors c'est lui. Il est pas mal, non? Bof. Moi, je le trouve plutôt bien. Berg, avec sa découverte révolutionnaire sur le cancer, mettait en péril le Septéron, un médicament que nous apprêtions à lancer sur le marché. 10 ans de recherche, des milliards de francs pour rien. Une vraie catastrophe. Attends de voir. Le groupe a tout misé sur le Septéron. Moi, j'ai mouillé ma chemise et toi aussi, t'es mouillé. Faudrait peut-être se bouger le cul. Il faut absolument qu'on rencontre Berg le plus rapidement possible. Et comment? Tu le connais ou pas? C'est Maï qui connaît. Enfin, moi, toi, c'est pareil. L'OMH de Berg a toutes les chances de passer. C'est une thérapie beaucoup plus douce que la chimio, elle est moins ravageante que le Septéron, et elle plaira certainement au corps médical et aux malades. Mettons qu'il accepte de me rencontrer, je lui dis quoi? Tu vois l'étendue des dégâts, et s'il faut, on négocie. Je vais en parler à Marie, mais tu la connais, hein? Quand il était prof à la fac de Marseille, il y a eu un truc entre les Berg ou pas? C'est lui qui l'a quitté ou bien c'est elle? Je crois que c'est lui, il voulait pas de son fric. Ah, bah alors raison de plus pour le regretter, surtout comparé à toi. Elle va courir pour le revoir. Les femmes détestent qu'on les lâche. Et si elle refuse? Elle ne peut pas refuser. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui reproches à Philippe? Tu peux rien lui reprocher. Tu l'aimes pas, c'est tout. Il est mal élevé. Il se lave jamais. Il dit même pas bonjour. En plus, il agit comme s'il était chez lui. C'est un parasite, ce mec. Il veut vivre avec nous, maman. Il s'entend plus avec son père depuis que sa mère est partie. Je t'assure qu'il va changer s'il vient vivre avec nous. C'est non! Moi, je le trouve très sympathique, ce garçon. Voilà, je reconnais qu'il pourrait faire un petit effort au niveau de la communication, mais enfin, ils sont tous comme ça, maintenant. Oui, c'est vrai, il est sympathique, quoi. Tu vois, maman? Merci, papa. T'es content de toi? Écoute, je t'assure, c'est vrai. Je trouve qu'il a quelque chose, ce garçon. Ça ne m'étonne pas. Tu te projettes en lui. Toi aussi, à son âge, tu vivais chez mes parents. Le seul problème, tu vois, c'est que pour ma fille, je préfère éviter les hommes comme toi. C'est bizarre, hein? À certaines époques, on s'aimait. Je me suis trompée sur toi. Sur moi aussi, d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, je ne t'ai jamais trompée. Jamais. Bon, écoute, j'ai plus de maîtresse, j'ai que des emmerdements, hein. Ça, c'est ton problème, mon vieux. Non, ça pourrait bien devenir le tien, figure-toi. La banque menace de sortir, et si c'est le cas, je vais fermer le labo, la clinique, et je vais déposer le bilan. Comment t'as fait pour en arriver là? Une seule personne qui peut nous tirer de là, une seule, qui rassurera les banques et les financiers, tous les autres cons. Berg. Werner Berg. Werner Berg? Oui, Werner Berg. Tu dois vraiment être mal pour en arriver à me demander ça. Le seul problème, tu vois, c'est que ça fait 20 ans qu'on s'est perdu de vue. Il s'est marié très vite après notre séparation. Je sais qu'il a une fille de l'âge de Valérie, et après, plus rien. Sa femme est morte. Sa fille aussi. Et seule. Très seule. Paraît-il. Sa femme et sa fille? Oui. C'est affreux. Oui, c'est affreux.
Le piège était mis en place. Je devais attirer Berg à Marseille en me servant de Marie comme appât. Morin ne me laissait pas le choix. Je devais absolument contrôler les recherches de Berg et les ralentir. Berg était un grand chirurgien, mais je savais que depuis la mort de sa fille, sur la table d'opération, sa vie s'était brisée. Je misais sur sa fragilité pour le faire tomber dans le piège que je lui tendais. Pression minimum. Diminuez les venues. Diminuez! C'est fait, professeur Morin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est terminé. Je ne veux plus opérer Muller. Allons, soyons sérieux. Ce n'est qu'une petite crise passagère. Vous devriez prendre quelques jours de vacances. Ce n'est une question de crise ni de vacances. J'ai décidé d'arrêter. Je ne veux plus opérer. Vous l'aurez, votre argent, vous l'aurez, soyez rassurés. Ce prix qu'on va vous remettre ce soir va certainement relancer la machine. C'est l'affaire de 2 ou 3 mois, tout au plus. Reculez sans cesse le moment de mettre mes recherches en application. Je ne me fais aucune illusion. Je ne vous rends pas la vie facile. Notre hôpital n'a pas les moyens de payer les dépenses inconsidérées de votre équipe de recherche. Muller, ce traitement appliqué dès les premiers jours permettrait aux cancéreux d'éviter la chimio. Si vous m'aviez donné les crédits nécessaires, nous serions déjà en phase 2. C'est ridicule et d'autant plus malhonnête que c'est vous qui allez gérer l'argent du prix que je vais recevoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Très bien,
En tant que représentant des laboratoires Zibeldorfman, j'ai le grand honneur, cher professeur Berg, de vous remettre ici le prix Albert Schweitzer. Merci au laboratoire Zibeldorfman. Et merci aussi à la presse scientifique qui me donne l'opportunité de dire enfin devant vous tous une ou deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur. L'honneur que vous me faites ce soir récompense mes travaux en génétique moléculaire. Mais l'honneur qui m'est fait aujourd'hui n'est hélas pas en rapport avec le peu de moyens dont nous disposons. Nous manquons d'argent, de matériel, de personnel. Je tenais à ce que vous le sachiez. Et malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, je puis vous affirmer que nous sommes aujourd'hui à la veille de répondre positivement aux espoirs de tous ceux qui souffrent d'un cancer. Mais les laboratoires pharmaceutiques qui nous attribuent aussi généreusement des prix nous demandent en retour de ralentir nos recherches pour ne pas menacer le marché des médicaments déjà en circulation. Oui, de ralentir la recherche médicale dans le but évident de préserver la chimiothérapie. La question que je pose est de savoir si les chercheurs doivent continuer à céder aux fortes pressions des laboratoires. Mais nous devrions peut-être simplement nous contenter des maigres subventions, je dirais des aumônes, que nous dispense le gouvernement. Des sommes détournées de leurs véritables fonctions. Croyez bien que je ne veux incriminer personne. Mais je tenais à m'élever ici devant vous tous contre ces pratiques dont les malades, déjà si éprouvés, sont les premiers à faire les frais. Merci. Ce que vous venez de faire, très grave, je le prends comme une attaque personnelle. Je prie soin de ne nommer personne, mais vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Bravo, professeur. Mais vous ne croyez pas que vous y êtes allé un peu fort? Werner? Werner? Marie. Après tout ce temps, tu me reconnais? C'est incroyable, quel bonheur de te revoir. Bien. Professeur. Pardon. Je suis contente de te revoir. On a bien 20 ans à se raconter tous les deux. Quand j'ai su pour le prix, j'ai décidé de venir. Je voulais te faire la surprise. Tu m'en veux pas? T'as pas changé. C'est fou. Oh, quelques cheveux en moins. Mais à part ça, je suis restée le même. Mais toi, tu es toujours aussi belle. Heureusement qu'il me reste l'opéra depuis qu'elle est morte. Ça fait 6 mois, je n'ai pas encore eu le courage d'entrer dans sa chambre. Je crois que je devrais déménager. Ça s'est passé de quelle façon? Elle est morte sur la table d'opération. Je n'ai rien pu faire. Après la mort accidentelle de sa mère, Barbara a développé un cancer. J'ai tenu à la soigner moi-même. J'étais le seul à pouvoir le faire. Un traitement lourd, douloureux. Chimio, radio, à la limite du supportable. Rien que tu pensais, ça me révulse. Un jour, c'était un dimanche après-midi. Elle regardait les enfants jouer dans le jardin. Et tout à coup, elle s'est tournée vers moi. L'hémorragie a été foudroyante. J'ai fait une promesse à Barbara, je lui ai juré de mettre au point un médicament aussi simple à prendre qu'un cachet d'aspirine. Le MH2.
Je suis sur le point de réussir. Je suis près du but. À moins qu'aujourd'hui, j'ai tout compromis. Ce ne sont pas les choses qu'on fait qu'on regrette. C'est celles qu'on ne fait pas. Tu n'as pas l'air très heureuse, tu sais. Après ce que je viens d'entendre, j'aurais honte d'étaler mes petites misères. Tu sais, je ne suis ni une bonne mère, ni une bonne épouse. Je manque totalement d'intérêt. Je vois que tu suis l'actualité médicale, en tout cas. Ce n'est pas un hasard si je suis venue ici ce soir. J'ai quelque chose à te demander. Mon mari souhaite te rencontrer. Ton mari? Bernard dirige un petit labo et il connaît apparemment bien tes travaux. Mais rassure-toi, tu peux dire non. Je t'en voudrais pas. Alors c'est pour lui que tu es venue? Non. Pour toi. Bernard a l'intention de lancer un nouveau programme de recherche. Il aimerait, je crois, avoir un conseil avisé. Je vois. Je crois me souvenir que c'est toi qui m'as quitté à l'époque. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Dis-moi, ça existe toujours, la maison, la mer, le jardin, la piscine? Mes parents sont morts. Et maintenant, la piscine est chauffée. À part ça, rien n'a changé là-bas. Non, mais tu te rends compte? Moi, j'ai eu la vocation en voyant les photos de Bouba, de Cartier-Bresson, de Depardon. Et je me retrouve ici, dans un aéroport, à faire une pige et à attendre comme un paparazzi une douzaine d'hommes d'affaires qui viennent inaugurer la Thalasso des Calanques. C'est la déchéance. Mais non, c'est important pour la région que la Thalasso marche. Ici l'aéroport de Marseille, Marignane. Venir, elle sera loupée, ta photo. Arrête de râler. J'aime pas les mecs qui crachent dans la soupe. Bon, d'accord. En attendant, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'aime pas les mecs qui me draguent non plus. C'est moi qui choisis dans la vie. Tiens, regarde, ils arrivent. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais un café? C'est comment ça marche, non? Toujours aussi galant. Oh là 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 là. Tiens, devine qui j'ai vu à l'aéroport. L'homme de ta vie? Très drôle. Professeur Berg. Une putain de classe, ce type. Professeur Berg? T'es sûr? Il y avait même une femme avec lui. J'ai la preuve. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? T'as vu ce qu'il leur envoyait à Cologne? Non, mais d'après toi, qu'est-ce qu'il vient faire à Marseille? Oh, voilà une bonne question. Déjà appelé trois fois depuis son arrivée. Non, mais je crois qu'il s'attend à ce qu'on lui fasse payer très cher son coup de gueule. Ah non, mais t'inquiète pas, je l'ai à ma main. En lui faisant visiter le labo tout à l'heure, je tâterai le terrain. Oui. D'accord. Ah, t'es là, papa? Oui. Vous, vous dérangez pas pour nous, faites passer, hein. Dis donc, on va à Cassis, là, avec Philippe en moto. Et peut-être que même ce soir, on dormira pas là. Mais t'en as parlé à ta mère? Ben non, tu lui diras, toi. Oh, c'est qui? Je le connais? Ça, je pense pas, non.
Mais qu'est-ce que tu fous là? Attends une seconde. Valérie, ma fille. Enchantée. Werner, qui est venu passer le week-end avec nous. Ah, c'est vous la tête pleine de neurones. Valérie. Bah quoi? Comment tu parles? Oh, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais saluer ton invité. Absolument à m'humilier. Valérie, Werner est venu se reposer. Méfiez-vous, s'il avait écouté, je nagerais encore avec une bouée. Ça t'amuse? Bah, écoute, ta fille est drôle, j'y peux rien. C'est tout ce que tu trouves à dire. On ne peut pas lui reprocher d'avoir des seins de 20 ans et d'avoir envie de les montrer, hein? Cherche ton Prozac, il est dans la salle de bain. Pourquoi t'es dure avec moi? Bah, tu dis ça à cause de tout à l'heure? Oh, moi, je suis encore une petite fille, maman, tu sais. Faudrait même que tu m'apprennes à grandir un de ces jours. T'es très jolie. Mais c'est toi qui es jolie, maman. Moi, je suis sympa. Ils disent tous ça. Puis d'abord, pourquoi tu me dis que je suis jolie seulement quand on s'engueule? Bah, réponds. Parle. Dis quelque chose. J'en ai marre de ton mystère à la fin. On sait jamais vraiment ce que tu penses. Demande à ton père. Vous ne pourriez pas faire semblant de vous aimer de temps en temps, pour changer. Hein? Non, mais je comprends, Werner, hein, ça je comprends. Arriver si près du but et manquer de crédit, ça je comprends que vous ayez piqué un coup de gueule. Je n'ai jamais accepté d'être à la solde de l'industrie pharmaceutique. Pourtant, Müller a fait l'erreur de croire que je finirais par céder. Mais il est travaillé avec nous. Ici, nous n'avons pas autant de moyens que chez vous, mais enfin, en tout cas, vous serez libre. La liberté dans le domaine de la recherche médicale, ça n'existe pas, c'est un mythe. Vous savez, moi, ici, j'ai toute l'attitude pour engager qui je veux, hein, le chercheur que je veux, à condition que le dossier soit valable, évidemment. Non, je ne peux pas partir de Cologne. Ce ne serait pas correct vis-à-vis de mon pays, surtout après avoir reçu ce prix. Ce serait un peu comme une trahison. Mais quelle trahison, mon cher Werner. C'est fini tout ça, il n'y a plus de pays, plus de frontières, c'est l'Europe, vous savez. La France, l'Allemagne, c'est pareil, hein, ce sont juste des régions. Voilà. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer le labo. Venez. Le laboratoire occupe toute cette partie du bâtiment. Évidemment, il est indépendant de tout le reste. C'est très luxueux, c'est. Bah, le matériel est récent, il est fonctionnel. Hein. Un parfait équipement et personne pour travailler. Puis alors, l'incubateur dont je vous ai parlé sera installé ici. Je suis impressionné. Et vous êtes vraiment intéressé par la recherche sur le cancer? Non, je suis simplement... un bon médecin, enfin je crois que je suis surtout un très bon administrateur. Voilà, je crois que je sais à peu près percevoir ce qui peut faire avancer les choses. Je suis un chercheur de chercheurs, si vous voulez. Et d'ailleurs, s'il le faut, je suis prêt à payer le prix. Moi, jusqu'à maintenant, on me payait pour que je me taise.
Bonjour, je voudrais parler au professeur Berg, s'il vous plaît. Je ne pense pas qu'il soit disponible pour l'instant. Bonjour, professeur, je suis journaliste matin. Bon, Eliane, voulez bien montrer mon bureau au professeur Berg, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Bien, Werner, vous suivez. Eliane, elle va vous montrer mon bureau. Voilà. J'arrive, je vous rejoins. Au revoir, professeur. Vous connaissez le professeur, mademoiselle ? Enfin, je l'ai vu hier à l'aéroport avec votre femme, mais je me suis dit qu'il était venu à Marseille pour voir et si c'était possible de faire une interview. Écoutez, il est en visite privée ici, vous savez. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ses travaux et j'aimerais bien... Vous êtes extrêmement fatigué, voilà, vous comprenez, j'imagine. Oui, je comprends quand même. Voilà, alors, écoutez, téléphonez dans quelques jours et puis vous lui parlerez, je vous promets. Ou alors vous avez une carte ? Laissez-moi une carte. Voilà. Très bien, merci de vous appeler dans quelques jours. De rien. Cette jeune femme, elle a 25 ans, elle ressemble à Marie au même âge, vous vous souvenez? Elle s'appelle Eliane et elle est ma maîtresse. Entre Marie et moi, c'est foutu. Après la naissance de Valérie, ça s'est dégradé, maintenant c'est plus rien. Vous en avez parlé? Non? J'aimerais bien manger une pizza. Ça existe toujours chez Mario? En fait, c'est vous qu'elle aimait. Moi, elle m'a épousé par dépit. Elle a toujours cru que j'avais épousé pour son fric. En fait, je l'aimais vraiment. En tout cas, vous avez bien réussi votre fille. Mais... en fait, c'est la seule chose qui nous maintienne encore ensemble. Tout le reste n'est que convention. Je suis désolé. Au fond, je crois qu'elle ne vous a jamais complètement oublié, Werner. Et elle, d'après vous, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie? Non, je crois pas. Alors elle doit être très malheureuse. Encore un peu de rosé? Non, merci, ça va. Même la pizza a changé. N'a plus le même goût qu'avant. Excuse-moi, je suis en retard. Après le scandale de Cologne, le professeur Berg s'installe à Marseille. Qu'est-ce qui a écrit ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais c'est mon assistante. C'est quoi cette conne? C'est grave. Écoute-moi. Tout ce qui concerne le médical et Berg en particulier, ça me concerne. On ne publie rien sans moi, compris? Je sais que cette petite fouille merde est venue à la clinique Il était chien pour voir Berg pour faire une interview. Non, mais je te jure, faut arrêter ça tout de suite, Orsini. Mais moi, je savais pas, je pensais que c'était du people. Surveille-la bien, Orsini. Ou alors, je sais pas, tu l'envoies en grand reportage quelque part. Mais je la veux plus dans mes pattes, cette pétasse. Je veux plus d'embrouille, pigé? Bon, d'accord, ok. À part ça, tout va bien? Qu'est-ce que tu bois, mon ange? Un daiquiri. Ah, tu vois? Un daiquiri. Pourquoi Bernard n'est pas venu? Il a eu un problème à la clinique. Il aurait pu trouver autre chose. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Je sais pas. Il me cache quelque chose. Je me dirais, on se parle plus beaucoup et c'est pas dit. Il m'a proposé de travailler avec lui. N'accepte pas. Ah, bah pourquoi? Je sais pas. Une intuition? Sentiments. Comment vous avez fait pour en arriver là, tous les deux? Tu te souviens quand on s'est séparés? Très bien. Mes parents étaient très riches. Ouais. Toi, tu voulais pas vivre leur crochet. Bernard, lui, ça ne me gênait pas du tout. Ça, tu ne peux pas le lui reprocher.
Il était très amoureux. Je pense qu'il t'aime encore, d'ailleurs, même s'il ne veut pas te l'avouer. Ton mari se rend bien compte que tu n'es pas heureuse et il en souffre. Je t'assure. Si tu l'as cru, c'est que ça t'arrange. Je crois qu'on va être obligé de passer la nuit ici. Ça t'embête. Alors, ça s'est bien passé? Non. Oh, c'est dommage. Comment tu fais pour être toujours jolie comme ça, hein? Et ouais, le temps passe pour tout le monde, sauf pour toi. Moi, je te trouve en pleine forme, vraiment. La journée t'a réussi, apparemment. À Werner aussi, je suppose. Tu as couché avec lui? Non. Non. Bah, décidément, ce garçon est vraiment trop droit. Pour qui tu me prends? Non, mais je plaisantais, bien sûr. Salut. Allô? Bonjour, ici Thomas Münster, l'assistant du professeur Berg. Je voudrais parler au professeur. C'est urgent. Il est sorti. Je vais te prévenir, comptez sur moi. Merci. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Ah, c'est toi qui as piqué tous les croissants. Je peux? Oui. Et c'est à Cologne que l'on remet le prix Albert Schweitzer. De vous remettre ici le prix Albert Schweitzer. Croyez bien que je ne veux incriminer personne. Mais je tenais à m'élever ici devant vous tous contre ces pratiques dont les malades, déjà si éprouvés, sont les premiers à le faire. Le professeur Berg est... C'est le mec qui s'en va ta mère. Et genre, t'as pu me laisser dormir. Miracle, censé guérir le cancer. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Il y travaille depuis des années. Répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu crois qu'il vient foutre ici, ce bouffon? C'est vraiment naïf, ma pauvre. De la faculté d'Heidelberg. Il travaille notamment avec John Humes sur les résonances des particules ADN dans les cellules malades. C'est bien, ce matin? Très bien. On va voir un nouveau compatriote. Phase terminale. Tumeur maligne avec des métastases sur les cervicales. D'après la palpation, le foie en a pris un coup. Madame Herstel, de Cologne, je pense. Bonjour, Madame Herstel. Bonjour, docteur. Comment allez-vous ce matin? Oh, aujourd'hui, ça va plutôt bien. Je vous présente le professeur Berg. Bonjour, madame. Bonjour, professeur. Voir deux médecins, dont un professeur de grand renom, au chevet d'une vieille peau comme moi, je crois que ce n'est pas bon signe. Allons donc, vous vous portez comme un charme. Encore quelques semaines et je vous emmène valser. J'aimerais bien voir ça. Oui. Je vous ai fait mal? Non, un tout petit peu. Je repasserai vous voir demain. Merci. Gertrud Herstal, vous interprétiez Orphée Eurydice dans le magnifique opéra de Gluck à Munich. C'était en 1978. Vous y étiez? 20 minutes d'ovation, vous les aviez méritées. Et c'était une représentation inoubliable.
Sur quoi travaillez-vous ici, professeur? Je fais de la recherche à Cologne. Je travaille sur un nouveau médicament. Ce n'est pas un produit miracle, mais je crois que dans des cas comme le vôtre, il pourra donner d'excellents résultats dans quelques temps. Est-ce que je pourrais en bénéficier? Est-ce qu'il va me rester assez de temps? Je ferai tout pour ça. Croyez-moi, Madame Herstal. Essayez de ne pas m'oublier, professeur. Promis? J'ai vu sur la feuille de soins que vous l'aviez mise sous Vitram. Elle souffrait beaucoup. Donnez-lui plutôt de la Vlofed. Je ne vois pas la différence. Le Vitram à forte dose atrophie les cordes vocales. Cette femme est cantatrice, n'est pas gardienne de but. Marie. Ton assistant a appelé Werner. Il demande que tu le rappelles. Apparemment, c'est urgent. Merci. Ce salaud de Müller est en train de tourner la situation à son avantage. La commission d'enquête risque de faire porter le chapeau à la recherche. Il faut que je rentre en Allemagne. Qu'est-ce que vous allez faire? Conseil. Essayer de sauver ce que je peux encore sauver. Revenez travailler chez nous, Werner. Vos travaux sont très avancés maintenant. C'est un argument qui pourrait me permettre de décider nos actionnaires. Je vais y réfléchir. Bonjour. Même France, s'il vous plaît. Pourriez procéder immédiatement à la deuxième phase de développement du MH2, puis quant aux malades volontaires, bah, vous en avez trouvé à la clinique. Hein? Vous vous souvenez, Madame Herstal? Réfléchissez à ma proposition, Werner. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous, nous vous offrons la liberté. Ce n'est pas aussi facile. Je ne suis pas seul. Je travaille en équipe, surtout avec Thomas. Bah, emmenez-le avec vous, votre petit génie sera bienvenu, lui aussi. Merci d'être venu, Thomas. J'aurais préféré vous annoncer la nouvelle moi-même, professeur. Alors l'hôpital nous coupe tous les crédits, et ça pour une durée indéterminée. Bien joué, Müller, bien joué. Il vous attend, il veut vous parler. Ah, professeur Berg. Si vous voulez ma démission, pas de problème, je vous la donne. Personnellement, ça ne flatterait que mon orgueil, mais j'ai d'autres priorités. Notre conseil d'administration s'est réuni ce matin, et si vous maintenez votre décision de ne plus opérer, nous sommes tout à fait prêts à l'accepter. Et en retour, puis-je savoir ce que vous attendez de moi? Que vous m'accompagniez au colloque de Berlin. Nous ferons une déclaration commune et tout rentrera dans l'ordre. Vous voulez que je mette ma tête sur le billot pour servir je ne sais quelle magouille de l'industrie pharmaceutique? Non, Müller, non. Vous avez le culot d'accuser les chercheurs d'avoir grevé votre budget. Et vous voudriez que je vous accompagne pour accréditer des paroles aussi mensongères? Réfléchissez bien. C'est votre intérêt autant que le nôtre. On n'a qu'à laisser les choses se tasser tranquillement et dans quelques mois, vous reprendrez vos travaux. Non. Supposons que j'accepte votre démission. Qu'est-ce que je dis à vos patients? Le professeur Berg ne veut plus s'occuper de vous, il vous abandonne. C'est une ordure, Müller. La vie est faite de compromis, professeur. Il est dans l'intérêt de vos malades d'accepter un petit compromis avec les financiers. Qui sont des bienfaiteurs de l'industrie pharmaceutique? Berg, ils sont prêts à faire un geste envers l'hôpital. Maintenant, c'est à vous de décider. J'en arrivais presque à espérer que je m'étais trompé. J'aurais eu moins de regrets, mais ça fait quand même mal au cœur. C'est à vous d'écouter. Tu sais ce qu'il me demande, Müller? Il me demande de faire amende honorable publiquement. Si je couvre Müller, on peut espérer recommencer à travailler dans 2 ou 3 mois. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suppose que vous avez refusé. On m'a fait une proposition à Marseille dernièrement. Une malade que j'ai rencontrée là-bas est disposée à expérimenter notre produit, une femme d'une 60aine d'années. Elle est parfaitement consciente que la rémission dont elle jouit actuellement sera probablement la dernière. J'ai rapporté son dossier, il est dans mon bureau si tu veux jeter un coup d'œil. Mais professeur, c'est à Marseille. Je le sais. Thomas, ça, je le sais. Vous seriez prêt à tout quitter pour partir là-bas? Et toi?
je t'en prie. J'ai réfléchi, professeur. Ce serait trop bête d'arrêter les travaux. Vraiment trop bête. Cette possibilité d'expérimentation humaine est une chance qu'on ne peut pas laisser passer. Sincèrement, tu serais vraiment prêt à partir là-bas, toi? Toi qui as toujours refusé d'entrer dans le privé? Je me demande comment j'ai pu hésiter ne serait-ce qu'une seconde. Tu veux boire quelque chose? Vous n'auriez pas plutôt une cigarette? Une cigarette? Alors comme ça, tu as recommencé à fumer? Thomas. Ça va, mon petit bonhomme. Regarde, j'ai un cadeau pour toi, c'est de la lavande. La fleur du soleil, ça sent bon. Hein? Je dois partir, mais je te promets, je n'en rapporterai d'autres. Je t'oublie pas, mon petit bonhomme. Vous ne m'avez donc pas oublié. Je suis contente de vous revoir. Merci d'être venu. C'est votre assistant? Oui, c'est mon assistant Thomas. Moi aussi, je suis content de vous revoir. Oh, pas autant que moi, professeur. Alors, qu'est-ce que vous dites de votre cobaye, jeune homme? Vous n'êtes pas un cobaye. Vous êtes notre patiente, Madame Herstal, et notre partenaire. Et tout va bien se passer. Où en êtes-vous avec votre médicament? Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer demain. Avec une première injection. Oh, c'est merveilleux, professeur. Je suis heureuse de l'apprendre. Les risques sont trop importants. Si vous me demandez mon avis, je suis contre. Ce type d'expérimentation n'a pas sa place ici. Madame Herstal étant la première concernée, son avis me suffit amplement et elle est volontaire. Elle va signer une décharge? Évidemment. L'affaire est entendue, Berthemieux. Vous préféreriez sans doute tester ce médicament sur des volontaires en bonne santé, docteur Berthomieux? Je n'ai pas voulu dire ça. Mais j'en suis certain. Si vous allez faire signer cette décharge à Madame Herstal, Berthomieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Werner? C'est évident qu'il va falloir être extrêmement discret sur cette expérience. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Bon, enfin, en faisant pas toute une histoire. Ah, ça va? Ça va bien. Et toi? Moi, très bien. Tout va bien? Oui. Excusez-moi. Oui. Pour fêter l'arrivée de Berg, j'avais invité tout le Gotha médical. J'avais réussi mon coup. Berg avait l'air de se plaire. J'étais le maître du jeu. Enfin, c'est ce que je croyais. Thank you.
donc, t'es pas mal, toi. Merci. On te l'a déjà dit ? Mm-hmm. C'est qui cette bouffe, là ? Ah, j'ai jamais vu. Ouais. T'avais tes petites chéries chez moi, maintenant ? Et attends, la parano et le complexe du cocu sont inscrits dans les gènes de ta famille, ma parole, là, hein ? Allez, casse-toi. Casse-toi, connard. Alors, scène de ménage ? Bonjour Valérie. C'est engueulé avec son chéri. Telle mère, telle fille. Un vrai petit cœur. Tu croyais encore Amsterdam, toi? Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Dis donc, c'est Versailles. Oui. Et en plus, c'est moi qui régale. Hein? C'est Berg, là? Oui. Ta femme est ravissante. En tout cas, ça marche. Il se plaît à Marseille. Tu me le présentes? J'espère qu'on va pas trop les déranger. Il n'aime pas ce morin. J'en sais rien. Fais-toi de lui. Toujours ta grande intuition. Décidément, tu n'as pas vraiment changé. Je suis heureux de t'avoir retrouvé. Pas autant que moi. Au fait, je t'ai trouvé un joli mât en pleine garrigue, dans la nature. Bernard voulait t'installer dans une villa, au bord de mer, mais moi je sais ce que tu aimes. Excuse-moi. Bonjour, Marie. Mon cher Werner, permettez-moi de vous présenter mon grand ami Albert Morin, qui est le représentant de la US West à Marseille. Enchanté. Enchanté. Alors, Albert est un homme très puissant et incontournable. Derrière lui, c'est toute l'Amérique qui nous regarde. Enfin, ce sont eux qui développent le Septeron, nos concurrents directs, en quelque sorte. On ne joue pas dans le même club, mais sans doute pas dans la même catégorie. Et vous jouez dans quelle catégorie ? Poids lourd. Très drôle. Vous êtes marseillaise? Je veux dire, vous habitez Marseille? Oui, oui, chez mes parents. Me joindre à vous? Bien sûr. Vous me reconnaissez? On ne vous oublie pas facilement. Je peux vous parler. Alors lui, c'est monsieur Septeron et vous, monsieur MH2. Exactement, oui. Le jour et la nuit. Qui est le jour? Devinez. Vous accepteriez de m'aider pour un article? Sur moi? Bah oui, vous. Alors ça va? De l'air, de l'air. Grâce à vous, je sens que je vais faire un papier décapant. Merci. J'ai confiance en vous. Je sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai une certaine méfiance vis-à-vis des journalistes. Vous verrez, vous ne serez pas déçus par mon article. Vous ne serez pas le seul, d'ailleurs. C'est toi qui as invité Morin à dîner ? C'est invité tout seul. Que vous fabriquez ensemble? J'ai besoin de son argent. Alors c'est vrai? Évidemment que c'est vrai. Très difficile depuis 2 ans, tu sais. J'aurais dû continuer à m'occuper des affaires de la clinique. Oui, seulement c'est trop tard. Werner? Il est au courant pour toi et Morin? Tu lui as dit, j'espère? Bon, écoute, on lui donne des moyens exceptionnels pour continuer ses recherches. C'est ça qui compte, oui ou non? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu t'es servi de moi pour l'attirer ici. Tout ça pour qui? Pour Morin? Je te croyais con. Et pire, tu es une ordure.
l'imbécile, hein. Je lui l'appelle jusqu'à la fin de ses travaux. On est au bord du gouffre, je te préviens. Tu me dégoûtes. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Tu avais raison. Mais je ne pouvais plus reculer. J'étais pris dans l'engrenage. Tenu par Morin. Par mes dettes. Par le fric. J'aurais bien aimé lui dire que moi aussi j'admirais Berg. Mais j'étais trop jaloux pour le lui avouer. Orsini, je te préviens une dernière fois. Je t'ai déjà dit de tenir cette petite pétasse à l'écart. Elle était là au cocktail des Létéchins. Résultat, elle publie encore des conneries. Ange Orsini, parfois je me demande vraiment si t'es un ami. Je vais t'obliger d'en parler à Clément. Hein? Ben, c'est vrai. Je me pose des questions à ton sujet. Tu promets et tu tiens pas. Alors tu te débrouilles comme tu veux. Mais tu t'arranges syndicat ou pas pour envoyer cette petite pétasse au diable et pour la faire gicler du journal. C'est clair? C'est dans ton intérêt, mon ange. Pas autre chose. Ah, les cons. Le jour et la nuit. Et moi, je suis la nuit. Pour qui elle se prend, cette pétasse? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce journal, c'est moi. Il tient parce que j'y tiens. Orsini est un ami, Clément aussi, alors c'est une affaire réglée. J'ai déjà trop traîné. C'est mon côté humain. En tout cas, elle est drôlement bien foutue, cette Gabrielle. Méfie-toi, les Téchins. À force d'avoir le cul dans l'œil, on regarde plus le paysage. La moindre des choses, c'est de vérifier ses sources. Et ne pas donner de l'espoir aux gens sur les sujets aussi graves que le cancer sans être sûr de ce qu'on en avance. Tu dis la vérité? Mais c'est du vent! Comment tu peux comparer deux médicaments alors qu'ils sont pas encore sur le marché et qu'on n'a pas le résultat des tests? Je suis une professionnelle, moi. Mes informations sont bonnes. C'est vous qui le dites. Je suis virée, c'est ça? Je me fous de ce que pense Orsini. Mais vos patrons, ça me déçoit. Où est votre belle éthique professionnelle? Vos chiottes? J'ai quand même laissé passer votre article. Je peux pas faire autrement. Merci. Professeur, je préférerais qu'on attende la semaine prochaine pour faire la première injection. Je pense que ce serait plus sûr. Berthomieux n'est pas très coopératif. Je voudrais revérifier tous les dosages par moi-même. Je l'ai déjà fait ce matin, Thomas. Et puis... il ne faut pas faire trop attendre Madame Herstal. Elle est préparée, elle a une confiance maximum en nous. L'effet psychologique est absolument capital. N'oublie jamais ça. Je sais, je ne suis qu'un biologiste. Thomas, je ne voulais pas dire que... Oui, je sais, professeur. Ils étaient presque morts ce matin. Je leur ai fait une injection de MH2. Et les dosages? Les dosages, Thomas, tu les as conservés? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je pourrais parler au professeur Berg, s'il vous plaît? Il vient juste de s'en aller. Bon, ok. Merci. Au revoir. On approche du but, Marie. C'est fantastique. On a refait le test des rats et l'expérience est positive à 100%. Tout ça, c'est un peu grâce à toi. Je me demande si j'ai bien fait. On va gagner. Et en plus, ce soir, c'est un signe. Tu m'invites à l'opéra. Et figure-toi que la malade est une grande cantatrice. Je viens à rêve, Marie. Écoute, il faut que je te dise. Pardonne-moi, Marie. On commence l'expérimentation dès demain. Tu me connais, ça ne se voit pas trop, mais j'ai quand même le trac. J'imagine. Excuse-moi, je ne parle que de moi. Je pense qu'en te proposant de venir travailler ici, Bernard s'est servi de moi et t'a tendu un piège. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel piège? Bernard et Morin se sont associés dans le labo il y a 2 ans. C'est une manipulation, Werner. Laisse tomber. Rentre en Allemagne immédiatement. Tu es folle. Tu ne peux plus lui faire confiance. Non, pas question. J'irai jusqu'au bout du traitement. C'est très important. La vie de cette femme en dépend.
J'ai confiance en Bernard. Tu noircis tout. Tu es certainement très fatiguée, ma chérie. Tu n'as pas compris. C'est une question d'argent. Morin le tient, j'en suis sûre. Écoute, on reparlera de ça après l'expérimentation. T'en fais pas de tout tirade. Allez, viens, je ne veux pas rater le début du deuxième acte. Ouvre les yeux, Werner. Morin est ton concurrent direct. Il développe à coups de milliards une recherche qui est à l'opposé de la tienne. Et Bernard est son associé. Mon MH2 est meilleur et il agit plus vite. Mais écoute-moi, il est très dangereux, Werner. Viens, ça commence. Dépêchons. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, veuillez regagner vos sièges. Le spectacle reprend. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît. C'est nouveau, ce matériel, non? Il en avait besoin, je pouvais pas lui refuser. Bien sûr. Il y en a pour un paquet. Autrement, il serait pas venu travailler ici. De toute façon, c'est mon fric. Enfin, celui de la clinique. Par conséquent, le mien. Mais c'est bien une chose que je déteste, moi, c'est de foutre l'argent par les fenêtres. Mais non, mais attends, attends. Je te dis que le MH2 peut devenir un véritable investissement. Mais alors, comment ce mec me rembourse mes pertes du Septeron si son MH2 génial sort avant mon médicament? Hein? Tu sais combien ça m'a coûté, le développement du Septeron? Puis j'ai un groupe derrière moi, j'ai des comptes à rendre, moi aussi. Le MH2 va tout casser. Oui, peut-être. Mais c'est le Septeron d'abord. Tu as bien ça dans la tête. Il faut absolument stopper Berg, l'arrêter, le faire traîner. On ramasse d'abord avec le Septeron, et on prend tout avec le MH2, après. Bon, écoute, je comprends bien. Hein. Moi, je vois pas très bien comment je peux faire pour le freiner, ce type est un génie. T'as intérêt à trouver une solution vite fait, démerde-toi comme tu veux. Mais t'as pas le choix, Bernard. T'as choisi ton camp il y a 2 ans. Le clan du fric et du profit, souviens-toi. Vous avez interprété Norma, je crois. À Berlin, il y a bien longtemps, docteur. Je m'en suis souvenu hier soir. Je suis allé à l'opéra. Comment vous sentez-vous ce matin? Très bien, docteur. J'ai confiance en vous comme une jeune fille le jour de son premier bal qui donne la main à son cavalier. Merci. Je vous laisse. Au revoir, docteur, et merci. Le Téchin n'avait pas dit qu'il souhaitait assister à la première phase du traitement. C'est ce que j'avais cru comprendre, moi aussi. Curieux qu'il ne soit pas là. Tu as comparé les plaquettes avec celle d'hier soir? La prise de sang de 10 heures est semblable, mais on sent un mouvement. Numérotation des leucocytes? Je passe sur l'ordinateur. Sur la prise de sang de midi, on voit un mouvement différent. C'est moins net que sur les rats, mais quand même. Donnez-la-moi. Werner? Marie, ça me fait plaisir que tu sois venue. Je vais m'excuser pour l'opéra. Je suis idiote. Comment ça s'est passé?
Pour l'instant, bien, il n'y a pas de signe de rejet chez la patiente. On est en train de vérifier les paramètres. Je me demandais si tu ne serais pas allé pour déjeuner, juste tous les deux. Ah, je n'ai pas vraiment le temps. J'ai du travail, je suis désolé. Je comprends. Tu m'en veux pour hier soir? Mais non, pas du tout. On est tous un peu nerveux avant ce genre de test, mais c'est normal. Dis, tu me crois? Oui, je te crois. Le rapporteur n'a rien pu faire, ce con. On n'a pas le choix, il faut attendre. L'homologation du Septeron est retardée d'au moins 3 semaines, et peut-être même davantage. Je m'en doutais. Faut arrêter avec Berg, immédiatement. Trop tard, ils ont déjà commencé. Dommage. Très dommage. Allô? US West? D'après mes calculs, je ne te dois que 2 mois. Ah non, non, j'ai été viré sans préavis. Et ça, c'est quoi? Mes notes de frais, tu peux vérifier. Je m'en occuperai plus tard. Ah non, 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 tout de suite. Quand je bouffais chez Mado, c'était pendant le boulot. Tu connais son numéro, tu l'appelles. Excuse-moi, mais je suis seul de service. Allô, oui, 6 du matin, bonjour. Le Septeron est retardé. Tu sais quoi? Non. Tout à l'heure, j'ai conduit les yeux fermés. T'es vraiment taré. Ah, mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu me fais comme cirque là? Cette route, on la connaît par cœur. Oh, Valérie! Valérie! Bonsoir, Eléa. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir, je pourrais voir le professeur Berg? Décidément, vous n'avez pas de chance, il vient de partir. C'est l'habitude. Je suis désolée. Ok, merci. Je peux entrer? Bien sûr. J'avais envie de voir où vous habitez. Vous n'avez pas beaucoup de meubles. Ça me plaît comme ça. Disons que j'ai besoin de vide. Moi, le vide, ça me fait froid. Je peux? Tu n'es pas venue juste pour ça, je suppose. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Vous couchez avec elle? Non. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Elle s'engueule plus avec papa. Elle prend plus de somnifères. Elle parle même de se remettre à travailler. Et elle a l'air heureuse. C'est bien, non? Ta mère avait tout juste 20 ans quand on s'est connus. Vous l'aimez? J'ai beaucoup de tendresse pour elle, Valérie. Beaucoup. Et moi? Comment vous me trouvez? Ravissante. Oh, moi, je me trouve moche. Tu es folle. Tu es très belle. Vraiment? Je te le jure.
Alors, vous avez envie de coucher avec moi? Non. Alors, vous mentez. Regarde-moi bien, Valérie. Alors? Je suis trop vieux pour toi. Et crois-moi, je le regrette. On est des amis. Bien sûr. Tu veux boire quelque chose? Un coca. C'est votre fille? Barbara, oui. Elle aurait eu 18 ans cette année. Oh, je suis désolée, je savais pas. Tu ne bois pas ton coca? Non, merci. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. Non, t'avais raison, tu vois. Philippe est un con, je lui ai dit. Il est d'accord, il viendra prendre ses affaires demain. Il y a des cons partout. On n'est jamais assez trop prudente. Je crois que je vais reprendre la fac. Oh. Là, tu m'inquiètes. Non, je te jure, je suis sérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Philippe? Il se passait plus rien. Tu comprends? Mon petit cœur. Ça va pas? Ouais, ça va. Bonjour. Bon, je vais me coucher, je suis crevé, hein. Bosser toute la nuit. Pourquoi ça marche plus entre vous? Le temps qui passe. Les regrets, les mensonges. Le décalage. La vie même. Je devrais pas te dire ça. Mais tu l'aimes plus, papa? Tu l'as jamais aimé? Tu peux me le dire, hein, je peux comprendre. Avant, j'étais sûre de pas l'aimer. Maintenant, je me demande au fond si tout ça, c'est pas un peu de ma faute.
Enfin, je suis plus sûre de rien, quoi. Salut, Mario. Bonjour. T'as une place pour moi? Oui, là-bas. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Vous avez déjeuné? Non, merci, j'ai pas faim. Il y a des choses qui coupent l'appétit. Quoi, par exemple? Attendez, ça va venir. Tenez. Le Septéron est retardé. Et je pense que vous vous en fichez. Vous avez certainement d'autres préoccupations dans la vie. Pas la peine de vous faire un dessin. Je ne comprends pas. Je pensais pas que vous étiez un type à minette. Mais bon, on peut se tromper, hein. Je pensais que vous étiez un type bien. Et puisque vous tenez à le savoir, c'est grâce à vous que je me suis fait virer du boulot. Pourquoi je me le demande? Non, tiens, tu le mets sur mon compte. D'accord. Garçon, attendez. Non, c'est pour moi. Je me suis fait virer d'un journal pourri, ça s'arrose, non? Bon, bah ciao, bon appétit. Mais j'en veux pas de ta moto, moi. Oh, allez, à toi cette bécane, là. Moi, j'y réfléchis. Alors tu vois, tout ton fric là autour, ça me gonfle. T'en as quand même bien profité. Ouais, mais ça là, Sophie. Ouais. Bonjour. Bonjour. Mais où tu vas, là, comme ça? Je vais faire de l'humanitaire. Oh, sérieux? Sérieux. Plus tous les deux. Il est venu lui donner sa moto. C'est plutôt romantique, non? C'est touchant. Honnête, en tout cas. C'est Bernard qui lui avait offert. Bernard, où est-il? Il faut que je lui parle. Je sais pas, je l'ai pas vu de la journée. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Ta fille a bien changé, tu sais. Oui. Elle prend plus son père pour un héros. C'est une catastrophe. Oui, bah c'est la réalité pourtant. Hein? Berthomieu est formel. Mais si les résultats se confirment, j'imagine que tes deux chercheurs ne vont pas garder ça pour eux. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Faire preuve d'imagination. Qu'est-ce que tu veux dire là? Arrêtez. Quoi? Arrêtez, c'est arrêter. Tu veux que je les vire? Je joue pas au con, les téchins. Mais je sais pas qu'est-ce que tu veux dire là. Il faut que cette expérience soit un échec, c'est clair. Mais mon petit vieux est en train de guérir, cette bonne femme. Le processus est en marche, c'est trop tard. Ni pour toi, ni pour moi. Mais attends, je suis un médecin avant tout, mon Dieu. Tu veux pas me demander de non... Non, mais t'es fou, non? Non, je suis très sérieux, au contraire. Tu peux pas me demander ça. C'est contraire à tous mes principes. Mais quand t'as des principes, là, tu me fais rigoler. T'as trop besoin d'argent. Que tu le veuilles ou non, tu le feras, les téchins. C'est la vieille ou toi? Alors tu choisis. Écoute, Morin, il y a quelqu'un que je ne serai jamais. C'est un tueur. Et surtout pas ta botte. Merci d'être venu jusqu'ici, Orsini. Je voulais pas te parler au journal. Il faut que je te dise, j'ai aidé le Téchin lorsqu'il avait des problèmes d'argent. Tiens, assieds-toi. Depuis que j'ai appris qu'il laissait Berg faire des expériences humaines dans sa clinique, je me suis dit que ça suffisait, que c'était trop, qu'il fallait que j'arrête. Alors vous lâchez le Téchin. Je peux pas faire autrement, je vais tout de même pas courir au suicide. Tu peux préparer ton papier. Tu tiens une bombe, je te jure. Ah, merci. Non, je t'assure, ils te boivent 7 mois. Plus les vacances. Un mois par année d'ancienneté, c'est tout. Mais c'est pas une faute professionnelle, le papier est sorti. Je vais les attaquer pour licenciement abusif. Mm-hmm. Tiens, tu veux un café? Ouais. Tu nous fais 2 cafés, s'il te plaît? Cela dit, t'as peut-être raison, oui. Clément, il est pas clair en ce moment. Il est pas à l'aise. Tu sais, j'en ai parlé aux copains. On est allé voir Clément pour lui demander des éclaircissements. On a tous fait une pétition. Enfin, non, pas tous. Pas Orsini, évidemment, tu t'en doutes. Orsini. Comment il a pu avoir sa carte de presse, celui-là? Mort, hein? C'est pas un scoop, hein? Et pourquoi je lui laisserais Madoc à cet enfoiré d'Orsini? Tiens, tu peux me faire rentrer ce soir dans les bureaux? Je suis interdit de séjour ici. Et avec la concierge à la con,
Il suffit que tu passes par la compo vers 2h du mat. On laissera la petite porte ouverte. Cette nuit. J'allais partir. Je préfère attendre la relève. Thomas ne va pas tarder. Je vous remercie sincèrement pour l'aide que vous m'apportez. Bien que vous ne soyez pas d'accord avec ça, sur le plan de l'éthique. N'est-ce pas? L'important, c'est le résultat, professeur. Vous n'avez toujours pas vu le Téchin? Il m'a téléphoné. Vous avez de la chance. T'arrives? Tout le monde me lâche. Tu vas pas tarder à partir, toi aussi, je suppose. Ça t'arrangerait? Non. Non, ça serait logique. Bien raté ma vie, je t'ai fait passer à côté de la tienne. Tu vois, même plus de dignité, je m'apitoie sur moi-même. Arrête, Bernard, va te coucher. Ah, va te coucher. Va te coucher. Va te coucher. Là, c'est la phrase qui tue. Va te coucher. On aurait pu espérer autre chose. Par exemple, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? T'as l'air sincère. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si pour une fois on faisait semblant, il y a fait tellement longtemps qu'il n'y a plus de nuit entre nous, plus de matin. Puis le lendemain, si on faisait, pour une fois, comme ça n'aurait jamais dû cesser d'être. Hein. T'aurais pu dire ça, par exemple. Moi, je t'aurais répondu oui, bien sûr. Comment voilà, tu réponds rien. Hein. Tu dis rien. Et le silence, comme d'habitude. Mon célèbre silence. J'ai peur. J'ai toujours eu peur de tout. Bon, ça va, allez. M'emmerde pas. Hein. À te coucher. Là, t'as raison, j'ai trop bu. Il va se coucher. J'ai deux titres à proposer. Vas-y. Le crime du docteur Berg ou MH2, le médicament qui tue. Non. Je préfère quelque chose de moins tape à l'œil, du genre mort d'une cantatrice célèbre à la clinique Les Téchins. D'accord? Et tu développes avec les essais clandestins de Berg son échec et la responsabilité de la clinique qui l'accueillit. D'accord? Ensuite, en incident, tu signales qu'il a déjà tué sa fille au cours d'une intervention chirurgicale. Mais surtout, tu n'oublies pas de dire que la vieille n'était pas au courant, qu'elle était cobaye à son insu, hein? Bon, je brode un peu autour, mais je reste réaliste. Oui, c'est ça, réaliste. Il y a des chats ici. Bonjour. Je viens d'avoir Cologne au téléphone, professeur.
Muller a été forcé de démissionner. Il a magouillé avec les patrons des laboratoires. Ah. Et il y a un trou de 50 briques qu'il n'arrive pas à expliquer. Vous aviez vu juste, professeur. Qu'est-ce qui t'a appelé? Le directeur de l'hôpital, il tenait à vous l'annoncer. Très bien. On va bientôt pouvoir rentrer au pays. Avec la preuve vivante de l'efficacité de notre... MH2. Ah. Berg, je vous écoute. J'arrive tout de suite. Madame Herstal est morte. Où est Bernard? Dans la salle de bain. Salaud! C'est de votre faute. C'est à cause de vous qu'elle est morte. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais tué personne. C'est un crime de procéder comme vous l'avez fait. Un crime? Bien. Et à qui il profite le crime? Si ce n'est pas à vous? Mais qu'est-ce que tu as fait? Vous ne vous en sortirez pas comme ça, le déchet. On a doublé les doses pendant la nuit. Il y a eu manipulation et elle est morte dans votre clinique. Oh, les salauds. C'est un meurtre. Et vous en êtes le complice. Je vais faire une déclaration à la presse. À votre place, je réfléchirai. Hein. Si cette affaire éclate au grand jour, vous serez le premier à en pâtir. Deux morts pour une seule et même personne, ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas? Lâchez-moi! 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 C'est toi qui avais raison. Je me suis fait avoir. Je pars. Je rentre en Allemagne. Reste ici tant que cette histoire n'est pas finie. Si tu pars, ils diront n'importe quoi sur toi. Ta réputation sera foutue. Tu t'en relèveras pas. C'est exactement ce qu'ils veulent. Je ne resterai pas une minute de plus dans ce pays. Werner. Tu vois bien que j'avais raison. À propos de mon intuition, hein? Reste ici. Toi. Oh, Werner, ne m'abandonne pas, je t'en prie. Werner? Comment le savez-vous? Je l'ai su cette nuit.
quoi cette nuit? Mais elle est morte tôt ce matin, il y a à peine une heure. Mais c'est impossible! De quoi elle est morte? Quelqu'un a doublé les doses et son cœur ne l'a pas supporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous aider. Vous pourriez prouver qu'on a changé son traitement à cette femme? Oui. Il manque 2 doses de préparation. Je calcule l'effet que ça peut avoir. Qui a fait ça? Qui a fait quoi? Qui l'a tué? De quoi tu parles, Letécha? Joue pas au con, Morin. Je vois vraiment pas ce que tu veux dire. Qui a tué Madame Herstal? Elle est morte? Bon débarras. C'est un meurtre. On a doublé les doses cette nuit. Bah, ça prouve simplement que Berg s'est trompé, c'est tout. J'ai toujours dit qu'il était trop pressé. Tu te fous de moi? Tu sais ce qui va se passer si on peut prouver qu'elle a été assassinée? Là, il y aura enquête. On trouvera rien. Et Berg sera sur la touche, c'est excellent. Et si on trouve quelque chose? Quoi, par exemple? Par exemple, qu'on est associé. Que toi et moi, on défend les intérêts du groupe US West et qu'on avait tout intérêt à sortir le Septeron avant le MH2. Alors là, c'est emmerdant. Pour moi, c'est mauvais, mais c'est surtout mauvais pour toi. Tu te rends compte, faire des expériences sur des gens sans avoir l'autorisation du ministère? Elle a signé une décharge? T'as une décharge de signée, de la vieille, au moins? Et bien sûr qu'elle a signé. C'est pas ce qu'on m'a dit? Tiens. Ben voilà ta décharge. C'est tout ce qu'il en reste de ta décharge. Bertomieu et Thomas sont témoins. Thomas, son témoignage ne compte pas, c'est l'associé de Berg. Quant à Bertomieu, on le tient, tu le sais. Écoute-moi, espèce de salaud. T'as oublié une troisième personne qui sait tout. Moi. Si je t'en parle de toutes les saloperies que t'as accumulées pendant des années pour le sortir de ton Septeron. Tous ces gens que t'as achetés, tous tes magouilles, tous tes trafics. Maintenant un meurtre, tu veux que je leur en parle? T'oseras rien dire. T'es mouillé jusqu'au cou. Si pour une fois j'avais envie de me regarder dans la glace. Dans une heure ou deux, il faut y aller. Prépare-toi. C'est Lambertini qui le garde. C'est pas un neurochirurgien. Mais puisque je te dis qu'elle est intransportable! Faut l'opérer d'urgence. Non, on peut plus la bouger, c'est trop tard. Voilà. C'est trop tard, je te dis. Elle est foutue. Je ne peux pas, je t'en prie, ne me demande pas l'impossible. Aide-moi, Werner. Sauve ma fille. Je ne peux plus opérer. C'est un accident. Tu es le meilleur. Je t'en supplie. Si un jour tu as eu un peu d'amour pour moi... Je n'ai pas pu sauver ma fille, elle est morte dans mes bras. J'ai échoué, tu comprends, Marie? Toi, tu réussiras.
C'est de ma faute. Je suis pour rien dans la borne à la Merstal. Simplement, j'ai été lâche comme toujours. D'ailleurs, j'ai toujours vécu comme si j'étais tout seul. Je suis allée au journal et je leur ai raconté ce qui s'est passé. Ils ont stoppé le papier d'Orsini, ils ont tout mis sur Morin et la clinique, les Téchins. Ça va faire un sacré article. Elle va s'en sortir? Le professeur Berg opère à nouveau. C'est incroyable. C'est le meilleur. Je suis sûr qu'elle s'en sortira. Et lui aussi. Maintenant, extraction du caillou. Bien, professeur Berg. Anesthésiste, baissez la pression systolique à 90. S'il vous plaît. Vous allez me manquer toutes les deux. Toi aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, m'occuper d'elle. Et de lui, s'il veut bien. Je crois qu'il va vraiment avoir besoin de moi. Je t'aime, Marie. Je vais parler au docteur Létéchin. Il est au bloc opératoire, on ne peut pas le déranger. Ben, on va attendre. Merci. C'est en bas. Il vient d'arriver. Je vais peut-être vous étonner, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été pour éblouir ma femme et ma fille. Toujours. J'aurais dû rester à ma place depuis le début. J'étais un bon médecin, vous savez. Il ne faut pas désespérer. Vous le redeviendrez peut-être. Peut-être, oui. En tout cas, merci pour Valérie et pour Marie. Merci. Werner. Le MH2, c'est à vous. Et c'est l'avenir.
Faites monter ces messieurs.